Bon, je suppose que ça a merdé dans l'intro, à mon avis. Vous avez dû avoir le son en double, hein. Enfin, la musique en double qui merdait. Bon, ben, on va continuer notre fameux Didi. Je crois que j'ai rien d'autre à dire pour le moment. Voilà. Hop. Allez, on y va. On va pas perdre de temps, monsieur. Alors, load, snapshot. Voilà, donc j'ai juste changé au final. Il y a du son dans le jeu, c'est bon. J'ai juste changé le grid en fait. J'ai fait d'autres essais de palette, mais ça rendait pas forcément terrible. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet moi? Donc une épine, et puis le truc que je sais toujours pas ce que c'est. Ok. Dès qu'on saute. Ah oui, si, j'ai dû lui mettre les biens. Je sais pas si je les ai. On va voir. Hop, je crève. Si, c'est bon, j'ai les biens finis. Oh la vache, c'est ça rame. On sent l'accélération de la musique, c'est sympa. Je sais pas si vous m'entendez correctement. Allô, allô? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je sais qu'il faut faire ça. Faut mettre l'épine en fait. Et repasser par en haut. Donc, ça va blesser l'autre. Tout simplement. Hop, il apparaît, paf. Il se blesse. Voilà. Fallait faire là. Et puis bah, pour le reste, on va se démerder. Déjà, on va pouvoir prendre la clé sans doute. Ah bah tiens, une cerise. Cool. La clé, elle pourrait. On va essayer sur le mécanisme là qui est grippé, par exemple. La potion, on va la prendre. Tu attends qu'on y est, on va la sortir d'ici. Quoi, comme potion, ils nous disent ou pas? Non. Alors, vous m'entendez ou quoi là? Ah oui, si, bon, d'accord. Ok. J'étais en train d'écrire sur le chat, du coup, je me dis merde, y a personne qui m'entend. Tiens, j'ai pas senti le chat d'ailleurs. Hop là. La pioche, je pense que j'en ai plus besoin. Ah putain, trop tard. Eh merde, putain, je rappuie à gauche, je retombe. Ouais, il est mieux, hein, je trouve, hein, le vert, c'est moche. Hein. Alors, j'ai essayé de mettre du marron au lieu du rouge. C'est. Ouais, pof, quoi. Le problème, c'est que c'est très monochrome, c'est des graphes monochromes. Genre, les pierres, elles ont deux couleurs, le lion, il a deux couleurs. Enfin, tout est en deux couleurs, hein, c'est un spécifore normal, quoi. Je suppose que c'est plus joli sur Spectrum vu que à chaque caractère ils peuvent changer les deux couleurs. Oui, j'ai joué sur Spectrum en fait. Alors, j'avais essayé aussi du rose, du jaune, j'avais essayé pas mal de couleurs. Et puis finalement, bah, j'ai juste changé le vert en gris. C'est suffisant quoi. Donc on va essayer là-dessus. Ça me paraît logique. Voilà, bah c'est bon. Ah bon, bah alors du coup le pont il est ouvert. On va pouvoir aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. En même temps là on n'a pas beaucoup d'objets. L'aire de jeu est assez réduite a priori. Ok.
Peut-être qu'à gauche elle est un peu plus grande. Gris sur turquoise à la place du rouge, ouais, je suis pas persuadé. Hein. Dans ce cas-là, carrément passer en écran vert, hein, sinon. Bon, je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de pleurer? Si mon père pouvait revenir, je saurais quoi faire. Ok. Je peux pas la gauche. La pierre, je peux peut-être la prendre. Ah bah oui. Hop. Logique. On va reposer là. On a quoi là? Ah, oh, bah je viens de prendre de l'herbe. Ah, oui, bien sûr, oui. On va poser l'herbe. On peut faire exprès. Donc, du coup, j'ai une bouteille de potion. On va essayer de lui donner la bouteille de potion. Elle s'en fout. On a deux trucs là. Elle s'en fout. Je sais pas. On va lui lire des blagues. On a un livre de blagues. On va essayer. On va essayer. Je vais poser mes objets là. On a du pain. Bon, on va le prendre, hein, on sait jamais. Peut-être que le pain, pour moi, ça servirait plus pour. Je sais pas, on peut pas lui donner, non? Dire pour une souris, justement, pour éloigner des souris. Il y a un Didi comme ça où faut mettre du pain par terre pour faire dégager une souris. Enfin, un rat. Bon, on a le livre de blagues, on va essayer. Et puis le pain. Qu'est-ce que t'as le tout? Qu'est-ce que t'as vu? Là. Hein? Oh, chien. Tu portes rien. Ah bah voilà. Donc la princesse me dit this checkbook will put a smile on your face. D'accord. Elle me donne un drapeau. C'est cool, le drapeau, on va aller le mettre sur le mât. Allez, go. Le mât, il est en haut de cette tour-là ou en haut de l'autre tour? Je crois que c'est celle-là. Bon, pour l'instant, c'est pas trop compliqué comme Didi. Hein. On a vu pire. Hein. Ah bah là. Du coup,
Ah bah... Alors honnêtement, celui-là, je ne m'en rappelle pas. Donc je sais pas si je l'ai déjà fini. Mais non, en dehors des streams, là j'ai pas joué. Alors, ça m'arrive quand je suis bloqué quelque part, mais... Mais du coup, non, le jeu, je le connais pas. Putain, mais ça me donne rien. Ça me donne rien. Alors, qu'est-ce que ça va avoir changé dans le jeu? Ah, peut-être que l'autre elle s'est réveillée, peut-être. Ça va. On va essayer ça. On va faire le tour du jeu, on va bien voir. Hein. Ça va peut-être changer quelque chose quelque part quand même. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, pourquoi pas, on pourrait tenter, ouais. Je suis pas sûr que ça fonctionne. C'est pareil, la musique elle est un petit peu courte. Hein. Salut Thomas. Ça a changé ça. Elle se réveille. Ok, c'est bien. Super. Mais il t'en faut combien? Elle peut pas me dire combien il lui en faut, cette conne. Oh putain, j'ai plus qu'à me taper tout le jeu à chercher où il peut y avoir ces putains de cerises. Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai donné à la princesse, j'ai vu le roi. Et du coup, maintenant, elle veut les cerises. Génial. J'ai plus qu'à chercher partout où est-ce qu'il y en a. Ouais, c'est ça, ouais. Fallait que je sois un prince. Putain, ça c'est ce qui me saoule dans les Didi, c'est de chercher les cerises, les pièces, les machins là. En plus, cette conne elle me dit pas combien il m'en faut et je sais pas combien j'en ai. Hein. Il en faut 20, hein. Bah si, alors donc c'est le chiffre 15, ça va être. Ah, donc là il y en a une. Hop, 16. Elle aurait pu me le dire qu'il en fallait 20. Hein. Bah, tu connais. Hein. Le nuage en haut du château. Quel nuage. Le nuage là. Ouais, le nuage. Le jumeau, je m'en suis débarrassé avec l'épine que le lion avait dans le pied. Putain, on va falloir se taper toutes les barrières.
pour en prendre une. Alors là, il n'y a rien. Là, il y a des barrières, on s'y est. Quel nuage tu parles, Thomas? Alors, l'herbe. En général, c'est plutôt dans les grandes poutres d'herbe, mais... Sous l'écran de Saint-Pierre. Je sais plus si j'en ai pris une à cet endroit-là. Ça m'étonnerait parce que tout à l'heure j'en ai pris une qui était à côté de la princesse. Je raconte des conneries, le disquier. Ouais, non, mais sur ces PC, c'était pas pareil que sur. Ouais, je me suis mis les vies infinies parce que c'est chiant. Quand tu... Ah, là, il y avait... Voilà, on l'a une. On va remettre. On va aller voir au-dessus. Plus que 3 à trouver. Alors, allez. Putain, je veux juste que t'ailles sur le truc là. Oh mais quel abruti alors. Là. Voilà, voilà, il y en a une forcément, bien évidemment, le truc qui est pas accessible. Donc ça me paraît qu'il y en a. Merde. Ça me paraît qu'il y en a à côté. Il y en a plus que deux. Saint-Pierre. Monsieur Sommier est vers sur ce PC. Faut... Ah ouais, effectivement. Ah putain. Mort. Comment je vais faire? Je vais retourner là. Je vais me démerder pour arriver là. Et je vais me laisser tomber. Merde, oh putain. Ça va être chiant encore ça. Thank you.
Voilà. Ok. On l'a une, il m'en manque plus qu'une seule. Bon, on va aller voir à côté du passeur. Hein. De toute façon, c'est pas des versions CPC, c'est des versions Spectrum. Non. Non. Donc là, il y en a pas. Donc, il m'en manque une qui doit être à gauche. Allez, c'est parti. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Ok. Ah, c'est bon. Ah, tais-toi. Lost Viking, moi, c'était pas mal, Lost Viking. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est un jeu Amiga, là-bas, dans un jeu PC, Lost Viking. Il me semble. Ce sera refaisable, Lost Viking, hein, sur CPC, hein, largement. Hein. Largement. C'est étonnant que c'est pas été fait, d'ailleurs. Il a été fait sur Super NES aussi, le Smiking. Alors, je sais pas si c'est le premier ou si c'est le 2 qui a été fait sur Super NES, je m'en rappelle plus. Je sais que je l'ai, mais... Alors, on va ces barrières-là. Putain, il me manque une seule cerise, quoi. Qu'est-ce que c'est chiant, ces histoires de ski et de conneries, hein, sans déconner. Encore, elles étaient visibles. Je perds un temps fou avec ces conneries. Surtout qu'en plus, on va sans doute m'en demander après, un peu plus loin dans le jeu, pour finir le jeu. On va aller voir du côté de la princesse là. Bon, les piliers, ça m'étonnerait qu'il y en ait derrière les piliers quand même. C'est pas exagéré. Quand même, au cas où. Non. Alors, elle est où cette dernière cerise de merde? Ah. Ben voilà. Voilà. C'est bon, on a les 20. Allez, on y retourne. On y retourne. J'espère qu'il faut pas autre chose. J'aurais peut-être dû prendre des merdes. Là. Tous les objets là qui traînent. Au cas où on en ait besoin. Mon chéri. Moi, ça, c'est le genre de truc qu'il faut pas me laisser à côté de moi. Moi, tu me laisses une boîte de mon chéri et vide aussitôt. Quoi. C'est trop bon, ça. Il y en a qui aiment pas, hein. Pauline, elle aime pas ça. Pourtant, j'ai une des rares femmes qui boit du Ricard, mais elle aime pas les mon chéri. À la mélancolie parce que j'attends toujours mon imprimante 3D qui est toujours pas arrivé. Ça met 10 ans hein, depuis la Chine hein. En même temps c'est moi qui ai pas fait attention de quel dépôt elle venait et du coup bah, comme un con je l'ai acheté sans demander dépôt Europe et du coup non seulement
mes 10 ans arrivés, mais en plus, je risque de me prendre des frais de douane. Alors, j'espère pas. Surtout s'il y en a, j'espère qu'ils seront pas élevés. Allez, hop. Bon, sinon, pour les bannières, hormis celles que j'ai fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mode bannière? Une bannière Rick Dangerous, ça pourrait être sympa. Rick Dangerous, Rick Dangerous 2. Saboteur 2, ça c'est indispensable. Ouais, bah j'en sais rien, mais en tout cas, putain, qu'est-ce que c'est là. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il y a comme jeu cube sur ces PC? De base. Rick Dangerous, Saboteur 2, ouais. Alors, elle est contente. Ah bah j'étais dehors. Ok. Non, me dis pas qu'on a déjà fini le jeu quand même. Et... Hein ? Sans déconner ? Il y a 4 écrans de jeu ? Non mais il est super court ! Oh bah putain, quand je vois qu'il m'a fallu 4 streams limite pour Spellbound, celui-là en un stream, il est terminé quoi ! Putain, j'hallucine ! Oh la vache, il est naze, hein. Bon, bah, on va passer à un autre, hein. Bah, il est plus que court, il est... il est super méga court. Bon, bah, suivant. Alors, on a fait... Alors, on va en prendre un, mais on va reprendre Spellbound. On a fait... Crystal Kingdom Didi, on l'a fini. Prince of the Yawlfolk, on vient de le finir. Spellbound Didi, on l'a fini. Et bah du coup, donc on a fait le 7, le 6, le 5, on va faire le 4, Magic Land. Magic Land, ah oui celui-là, je l'aimais bien celui-là. Je m'en souviens de celui-là. Et ben, bah, on va prendre la version cassette. JPC, parce que moi ça me permet de mettre les filles infinies dessus. Et comme je l'ai en original, normalement celui-là... On a dit c'était Magic Land. Ouais, je l'ai. Je vais même pouvoir tester. Je vais même pouvoir tester l'époque sur la cassette originale. Cool. Cool, cool, cool. Alors. Hop, CPC. Il est où? CDT jeu. Hop. C'est parti, mon kiki. Ah oh ouais, non, là, alors, hyper déçu. Hein. Alors, je me souviens pas l'avoir déjà fini parce que ça m'aurait, je pense, choqué de voir un truc aussi court. Bah, sinon. Ah ouais, merde, non, je peux pas couper les rasters. Il faudra que je regarde sa routine, c'est chiant, quoi.
Sinon, pendant que ça charge, je vais simplement pas le montrer, le jeu. Et puis c'est tout. Parce que l'autre coup, ça a pourri toute la vidéo après, quoi. C'est ça qui est assez étonnant. Alors, dédicate Magic Land. Alors, U-Tape. Allez, c'est parti. Voilà. Il n'y a plus que moi qui vois ce que fait l'émulateur. Alors, je vais l'accélérer d'ailleurs. Voilà, il faut rien. Il n'a même pas commencé à charger cette espèce de tête de con. Accélère, hein. Oh, Marcel, on n'a pas que ça à foutre, hein. Bon, de toute façon, l'écran de présentation est pas top, pas génial. Bon, ça reste un écran Spectrum, quoi. Voilà, c'est bon. Et ben, on va repasser en scène de jeu. Voilà, voilà. Ah ouais, je me rappelle cette musique. Alors, pareil, le vert, on va le virer, hein, si on peut. On va regarder vite fait. 11h38. Bon, bah, ça va être la même technique, hein. Alors, hop, un petit coup d'assembleur. Le vert, c'est quelle couleur? C'est quelle encre? C'est la... La troisième. Donc, on va pas se faire chier. 0,3. On le met en gris, pareil. 64. Hop. Et donc, lui, il fait un JP EF11. Voilà, hop, dégagé. Alors, on va faire un snapshot. Du coup, lui, c'est lequel? C'est Magic Land. Magic Land, ML. Je montrerai les vies infinies plus tard. Bon. Alors celui-là, je pense que je vais me souvenir de quelques petits trucs. Ah ouais, alors il y avait les fantômes. Les fantômes, on peut les éloigner, je sais plus quoi. On verra plus tard. Ah, là, on a une clé. Ok. Voilà. Alors, dans celui-là, c'est des diamants. Qu'est-ce que j'ai pris là? Une bouteille vide de lait. Okay. Ça c'est quoi? Un truc de rubis. Bon, ça c'est la manivelle du puits. Hein. Ah oui, là on peut remonter par là. Parce qu'en fait on peut descendre par un autre endroit. Hop, je prends le diamant. Avant de lui causer. Okay.
Ok. Panier, bon, ça je sais pas quoi il sert. Là on a l'épée. Excalibur forcément dans son rocher. Bon, a priori on n'est pas les murs. Hein. Il y a une biquette. Lui, je vais pas y aller parce qu'il va foutre un coup de pied au cul, puis je vais perdre de l'énergie. Ça, la pomme, je suppose que c'est pour me rendre de l'énergie. Je vais peut-être pas la bouffer. Ah, c'est une pomme empoisonnée. Oh. Bah remarque, on a le... Peut-être qu'il veut les rubis. Ah, il veut carrément 30 diamants, lui. On a pas fini. Bah non, non, il veut 30 diamants. Je peux rien lui donner d'autre. Un peu beaucoup 30 diamants, hein. Je me demande s'il n'y a pas moyen de le gruger justement. Là on va encore passer notre temps à déplacer les barrières quoi, comme là quoi. Je vais laisser le rubis ici, je vais prendre la manivelle et je vais aller la foutre sur le puits déjà. Je peux monter ou pas là? Non, c'est trop haut ça. Ma vie c'est par en haut qui peut y accéder. De trucs là, je vais poser mes merdes ici. Hop. Tac, tac. Moi j'aime bien regrouper les objets dans les petites, ça t'évite de les chercher pendant 3 pots après. Je mets tout au même endroit. Je fais moi chier. Ok. J'ai laissé le sac. On fait bouffer ça. Oh, remarque, j'aurais dû essayer à la biquette de faire bouffer la pomme. Non, on va pas. Mais j'ai un vague souvenir où il faut lui couper la corde et puis. C'est un vague souvenir. Après, ça fait des siècles que je les ai terminés, les usines. Donc, bref. Alors. Hop, hop, et là pour l'instant je dis moi je prends la manivelle parce que ça c'est évident, c'est pour le puits. Faut donc faire les choses évidentes dès le début. On va aller voir en haut. Là, il y a un diamant, normalement on peut sauter de la fenêtre je crois. Diamant. Mais il me semble qu'on peut passer par les fenêtres, si je me souviens bien. Alors pour l'instant, on va pas se faire chier, on va avancer tranquillement. Celui-là, il est plus long, hein, par rapport à l'autre qui est naze, là. Alors ça me fait un peu chier, parce que du coup, je l'ai pas, l'autre, mais... Alors la croix, on doit pouvoir la prendre aussi. Ouais. On va pouvoir aller là. Là, la fenêtre, elle est ouverte. Alors, je crois qu'on peut aussi passer par là. Merde. Oh, oui. Ok. Un diamant. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Power pile. Ah, oh, ça me dit quelque chose.
que je tente d'aller à gauche tout de suite. Comme ça. Ok, nickel. Là, je suis à un nouvel endroit. Ah oui, d'accord, je vois où je suis. On va essayer d'atteindre l'autre côté. Yes, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Alors, par contre, non, il va falloir que je me tape toutes les barrières. Hein, pour finir. Alors, est-ce que je peux sauter à droite, là? Yes. Hop là! Un diamant. Lui. Double zipping, il spy. Tenter de sauter à gauche parce qu'à mon avis on va atterrir sur la tronche du troll. On va retourner au puits déjà. Déjà on sait qu'on peut aller là. Alors le bard, qu'est-ce qu'on pourra faire pour attirer son attention? Je sais pas, peut-être jouer de la musique plus fort que lui pour le faire chier. Là, donc pour pile, on va le poser. Gold cross, on le pose aussi. Et on garde que notre manivelle. Est-ce qu'on a tout fait en haut? Je suis pas sûr. Là, on n'est pas monté là. Voilà, on est monté là. Ah non, putain! Ah, le con! Bon, pas grave. On va puits, on va mettre le truc. Voilà. Alors, on a le seau. Est-ce qu'on peut le prendre, le seau? Ouais, on peut le prendre. De toute façon, hein, les puits, ça pue les passages secrets, ça. Bon. Non, on va aller chez là. De toute façon, on est juste à côté des autres trucs. Bon, pour l'instant, des Didzy qu'on a fait en stream, le meilleur, clairement, c'est Spellbound. Pour moi, ça a toujours été mon préféré, donc à mon avis, c'est pas par hasard. Hop là. Tiens, on va faire les variantes tant qu'on y est. Surtout tant qu'on n'a pas d'objets, parce que quand on a des objets dans les pattes, c'est un peu chiant de faire les barrières. Chaque fois on risque de poser l'objet en confinant notre truc. Je me demande si ça me permet pas non plus de sauter tout à gauche là. Alors, ok. Alors je me méfie de ce genre de conneries parce qu'en général, voilà, c'est des pièges à con et c'en était un. Là je crois que c'est paratonnerre, ça me dit vaguement quelque chose ça. Voilà. Ah merde, bah voilà. Ce qui est chiant quand on fait les barrières, c'est d'avoir un objet parce que ça nous bloque. Alors là, je crois pas qu'on puisse passer par les fenêtres. Non. Non. Donc, ok. Là, au moins, c'est clair. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'appuyer en bas pour ne pas poser l'objet. Ah merde, putain, j'ai pas fait ce que je voulais. Ah, puis il est chiant à rouler comme ça, là, sans déconner. Hein. On va essayer de voir si on peut aller à la fenêtre en face. Non, on peut pas se barrer. À gauche, là, on va se faire buter par les flammes, c'est tout ce qu'on va faire. Voilà, hop, je vais crever. Ok, bon, ça, on a tout fait. Maintenant, il reste à voir si on peut sauter à gauche et attirer au-dessus du bouclier avec le crucifix. Voilà. Ah, bah on peut, mais ça me donnera rien. Sauf s'il y a quelque chose sur les barrières. On peut déjà regarder s'il y a quelque chose sur les barrières, mais. Peut-être se faire chier pour pas grand-chose, quoi. Ah,
sauter du bout ou sauter d'ici. Non. Non. Alors par contre après je pense qu'on va pouvoir aller par là. Parce que là je peux pas sauter. Non c'est trop. Ok. Et ben on va essayer de repasser par en haut. Par la fenêtre là. Par ici. Et on va essayer de sauter sur le nuage qui est là. Voilà. Je me rappelais bien qu'il y avait un petit passage. Comme quoi, je me rappelle encore de quelques trucs. Même 10 ans après. Ah, je peux pas y accéder. Par contre, le nuage de gauche m'a l'air plus bas. Ah putain, je tombe. Allez! Ah là, mais quel boulet! Allez, vas-y! Mais quel nul! Oh là! Il y a eu un gros bug là! Hein. Ah le gros bug! Le truc qui m'a replacé, j'étais dans le décor, il a pas apprécié. Ça, c'est assez rigolo. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un bug ou plutôt que eux, ils ont prévu le coup? Ils sont peut-être rendu compte qu'il y avait certains endroits. Bon, on peut pas. Parce que là, je peux. Ouais, voilà. Non, j'ai pas dit à gauche. Oh là là, quel joystick de merde. Bah oui, voilà, j'ai perdu une vie. Allez, vas-y, fais le con. Je suis pas sûr que ça me permette de sauter à droite. Hein. Ça m'a l'air bien loin. Hein. Voilà. Bon, ma manette là, le bouton gauche reste bloqué de temps en temps. Allez, vas-y, saute. Non, c'est trop loin. C'est évident. Je peux pas appuyer sur Fire. Oh putain, mais quel connard. Bon, je peux accéder à ça. On va y retourner. Alors, je sais que dans le puits, il y a un truc à faire. On peut descendre dans le puits, mais il faut se méfier parce que si on n'a pas... Il y a un objet qu'il nous faut. Alors, je me demande si c'est pas pour éloigner les rats ou une connerie comme ça. De toute façon, le prochain stream, je lui mettrai les vies infinies. Là, c'est un peu chiant de chercher ça pendant un stream. Surtout que parfois, c'est un peu couillu, donc tu t'emmerdes. Quoique les Didi, maintenant, je commence à être un petit peu habitué. C'est un peu tout le temps au même endroit et un peu tout le temps la même façon de faire. Cela dit, le code de Prince of the Young Folk était bien moins bon que les autres Didi. Hein. J'ai vu des trucs, putain, je refais la même connerie. Quoi. J'ai vu des trucs qui étaient pas très terribles, terribles dedans. Aussi pour ça qu'il ramait sans doute, hein, parce qu'il y avait des trucs, franchement. Quand tu fais un breakpoint, que tu tombes au pif sur une routine. D'affichage et que tu vois des trucs crado dedans alors que tu y allais au pif, tu te dis que si vraiment tu cherchais tu trouverais des trucs franchement pas top quoi. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais me laisser tomber du nuage sur le suivant et là je saute. Voilà! Ah bah dis donc. Oh, là, il y a l'autre PNQ avec ses noix de coco qui a utilisé de l'énergie, forcément. Alors, il y a une branche en dessous. Est-ce qu'on va chercher la branche? Bon, on peut y aller, ça ne coûte rien. Non, on va prendre la branche. Par contre, j'ai 3 objets là, donc ça craint un petit peu. Alors là, je peux sauter à droite. Ah putain, je me loupe. Ok. Alors, j'espère
j'espère qu'il n'y a pas des... des putains de diamants planqués là, à cet endroit-là, parce que sinon je vais me mettre pas dans les trous. Tant qu'il tire à droite, puis il tire un coup sur deux. J'en profite pour regarder les barrières. Bon, alors est-ce que je saute ou est-ce que je me laisse tomber? Je vais sauter pour voir. Oh yes, j'arrive là. Alors, là il y a un chat noir. Est-ce que c'est là qu'il faut mettre le paratonnerre? Non. Par contre, je suis bien emmerdé puisqu'il y a un chat noir et je vais pas pouvoir le prendre. Je sais plus si s'il faut sauter. Parce que le paratonnerre, il faut le mettre en haut d'un menhir, un truc. Oh bah là, je suis mort. Non. Oh putain, j'arrive là. Cool. Là, j'ai un couteau. Je vais refaire le tour hein, parce que là j'ai trop d'objets sur moi et je peux pas tout prendre. Alors on va faire un deuxième endroit où on va mettre tous les objets, un endroit où il y a de la place. Là, par exemple à côté du puits là il y a de la place, donc on va mettre la branche et c'est des fringues a priori. On y retourne et on va aller chercher ce qu'il y a en haut. Alors par contre, le paratonnerre, je suis emmerdé parce que j'aurais dû attirer en haut d'un autre menhir. Donc, est-ce que je peux monter plus haut pour aller tout en haut du truc? Ouais. Alors est-ce que, alors, du coup, vu que c'est un jeu anglais, hein, parce que c'est les... normalement c'est à la base c'est Oliver Twin ces jeux-là, les Dizzy, je suis pas sûr que tous les Dizzy soient d'Oliver Twin. Et toi, alors, on y retourne. Puis là, on va choper les objets qu'on n'a pas ramassés, on va tout descendre. Voici la technique que j'utilise en général dans les Dizzy, c'est je prends tout ce que je trouve. Et je ramène tout en bas. Ça évite de se faire chier. Que là, je peux pas l'atteindre, lui, mec, je pense. Là, on peut prendre le chat. Là, je peux pas monter, c'est bizarre, je pensais. Ou alors, faut que je me laisse tomber. Ah, mais j'ai des objets à prendre à droite. Ça à prendre et il y a pas autre chose. Alors, je me fais toucher. Ah, j'ai perdu une vie parce que là, ouais, je peux attirer au-dessus. Donc, on va y retourner. On va essayer d'attirer au-dessus. Et moi, je vais faire un snapshot parce qu'il me reste plus qu'une vie. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, je me souviens plus d'avoir perdu d'autres. Ah bah attends, la dague, je peux peut-être enlever l'autre de... Alors pour l'instant on n'a rien fait quasiment hein. Je sais même pas si on a fait quelque chose, je crois pas. Ah bah voilà. Et ça m'a donné... Alors la dague, on va la laisser là, elle m'a donné une feuille. Super, et lui alors? Non, on s'en fout. Des portes bonheur, je me dis un truc. Bah, dans mon souvenir, c'est il était bien hein, ce gars. Hein. On va laisser la feuille ici et on va essayer. On va voir. Est-ce que le, par hasard le chat éloignerait les fantômes qui est à droite? Je suis pas sûr. Je me demande s'il n'y a pas une sorcière tout à droite. Ça me dit quelque chose. Et dans mon souvenir, il y a une sorcière qui est tout à droite après les fantômes. Mais les fantômes, il faut de l'ail ou un truc comme ça, je crois. Putain, ça fait tellement longtemps que j'y ai joué à ce Dizzy. Oh, tiens, il y a un diamant. Ouais, alors, je vais faire un snapshot. Voilà. Chut, Yomi!
Non, déjà, on va essayer de passer là, sans crever. Voilà, bah, j'avais dit sans crever. Hop, je suis mort. Oh la vache, oula, oup. Il a pas aimé mon poc, je pense. Donc, faut pas que je crève, hein. Il a pas aimé. Ah putain, je vais crever à chaque coup, là, sans déconner. Il doit initialiser un truc... voilà, le fantôme s'est barré, en tout cas. Donc là, ce coup-ci, c'est vraiment la factrice qui passe. Je vais jamais y arriver. Ah ouais, il aime pas, hein. Il aime pas ce que... Alors pourtant, ça gêne en rien le jeu, mais par contre, le retour à l'écran de début, il aime pas du tout, hein. Ouais, ouais, ça a l'air d'avoir tapé dans... Alors, à mon avis, c'est parce que... à tous les coups, on va voir... Voilà, il a planté, je vais aller regarder en 38, où j'ai mis mon détournement de couleur, et il a dû poquer dedans comme un gros gland. Eh ben non. Donc, je sais pas pourquoi. En tout cas, le retour se fait pas terrible, là. Pourtant, j'ai bien sauvegardé mes registres avant de faire mon changement de couleur, donc il n'y a pas trop de raison, mais à mon avis, il doit faire une connerie... Ah ouais, j'ai peut-être écrasé un truc qui était... Il y a une portion de code là qui m'a écrit juste après. Où il poque des merdes en mémoire. Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a des adresses. Je vais aller voir vite fait ce que c'est. Je vais aller voir vite fait ce qu'il y a. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pénible, ça, sous Winamp, de ne pas avoir les adresses décrites au-dessus du truc de l'éditeur hexadécimal. Alors là, il y a un 6. Ok. Ouais, non. Et en 0089. Ouais, non. Bon, bah, non. Bah, non. On va recharger. Alors, est-ce que je me mets des vies infinies? Quand on commence le jeu, normalement, on en a 3. On va faire une recherche rapide. Find. On va rechercher un... donc, 3E... 0332, par exemple. Voilà. On a... ah bah vous voyez pas ce que je fais. Alors, je vais refaire. Je vais me mettre ailleurs. Je vais me mettre en bureau. Voilà. Et ce que je vais rechercher, cette chaîne hexadécimale là. 3E0332. Alors pourquoi? Parce que bah, 3E03, bah, c'est un LDA,3. Et 32, ça veut dire LD entre parenthèses adresse virgule A. Donc ça fait poké 3 à une adresse. Donc EF9E. Et EF9E, par exemple, eh ben on a un. C'est marrant parce que justement, il ne nous reste qu'une seule vie. Donc je vais noter ça. Vous allez voir, hein, c'est facile de mettre des vies infinies dans un jeu. Donc EF9E. Alors on va regarder vite fait ce qu'il y a autour. Ouais, il n'y a rien de particulier parce que à mon avis à cette adresse là, donc ça j'ai marqué quand même. Je vais marquer POC 3 en 3D 7D parce que comme ça c'est la routine d'initialisation, si ce sont bien les vies, il initialise sans doute l'énergie et le nombre de diamants, ce genre de conneries. Hein, donc voilà. Alors on sait qu'il POC. Donc 3 en EF9E. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller en EF9E, voilà, et on va faire un break on write. On y va. Je vais faire exprès de perdre une vie. Voilà, hop. J'appuie sur fire. Bien évidemment, il a poké. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un deck HL. Voilà. Il a fait un deck HL en 3E4B. Merde, mon stylo.
Donc en 3E4B, HL pointe, on le voit juste au-dessus ici, à notre fameuse adresse EF9E. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, décrémente l'octet qui est à cette adresse directement. Donc voilà, c'est très simple. Donc soit on nique le deck HL, donc on met un up à la place, soit on nique le JPNZ, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un JPNZ, on le remplace par un JP, tout simplement. Ce qui fait que bah, il testera jamais si c'est à zéro. Mais un inconvénient, c'est que si je fais ça, si je nique le JPNZ, il va quand même décrémenter HL. Et s'il y a un test sur ce fameux, cette fameuse adresse, il y a un autre test, donc par exemple pour tester si c'est supérieur à une valeur ou autre, bah, pour le coup, ça va être toujours supérieur. Alors déjà, ce qu'on va faire, alors souvent dans les DD, ce qu'il faut faire, c'est niquer les deux, c'est-à-dire niquer le deck HL et niquer le JP. Donc on va aller en 3E4B. D'ailleurs, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais recharger le jeu. Parce que là, il va planter. Voilà. On va aller... Bah, c'est pas le bordel, c'est facile. Hein, ça, c'est vraiment du truc basique. Donc 3E4B, j'ai dit, via le deck HL. Donc là, go to 3E4B. Et je vais niquer le deck HL. Hop, voilà, il n'y en a plus. À partir de maintenant, quand je perdrai une vie, bah, il décrémentera plus le truc. Ok ? C'est terminé. Normalement, je ne perds plus. Enfin, je crève, mais du coup... Ah bah si, parce que voilà. Parce que... Alors, j'avais dit que c'était quoi mon adresse ? EF9E. EF9E. Alors, si ça se trouve, c'est pour Lévi. Il les a remis à 3, donc il a réinitialisé. C'est quand il a réinitialisé qu'il a chié dans la colle. On va recharger notre truc. On va retourner à notre adresse. Donc, a priori, c'est bien les vies. Hein. Donc, en 3E4B. Go to 3E4B. On nique le deck. Et au lieu d'avoir un JPNZ, eh ben, on va lui mettre un JP tout court. Voilà, terminé. Me fait plus chier. Là, normalement, ça devrait marcher. Voilà, c'est bon. J'ai des vies infinies. On peut plus me tuer. Alors, je peux crever. C'est-à-dire que je suis pas invulnérable. Par contre, je suis tranquille, quoi. Donc, je vais faire un snapshot et ça va me permettre de continuer tranquillement, sans me faire chier et sans recommencer 10 000 fois. Parce que le problème d'un Didi, c'est ça, c'est que quand on joue vraiment à un Didi, je vais aller me faire un café. Quand on joue vraiment à un Didi, je vais repasser en scène de jeu. Quand on joue vraiment à un Didi, ben on recommence 10 000 fois, quoi. Donc en 3E4B, 2.00, et en 3E4C, on POC 1C3. Voilà. Poc un C3. Un café. Je reviens tout de suite. Je me refais un café. Des méthodes pour trouver les vies infinies. Alors en fait, on pourrait une autre méthode que j'utilise. Ouais, les sprites clignotent, c'est dégueulasse. Hein. C'est franchement dégueulasse. Hein. On pourrait largement le faire. Enfin, le faire beaucoup plus. Ce jeu. Une autre méthode pour trouver des vies infinies que j'utilise quand quand cette méthode-là fonctionne pas. Hein. Celle que je viens d'utiliser, en gros, c'est la plus courante, on va dire.
hein, de chercher une initialisation en général avec A, parce que le plus facile sur un Z80 c'est de poker avec le registre A. Donc en général le LDA virgule valeur 2 points LD entre parenthèses adresse virgule A, c'est le plus courant on va dire pour initialiser un nombre de vies. Donc ça marche quand c'est sur un nombre de vies, bien évidemment, quand au lieu d'avoir un chiffre ou d'avoir des œufs qui s'affichent là, on a un truc un peu plus complexe avec une barre ou une connerie à la con, où on ne sait pas trop combien il y a en nombre de vies au début du jeu, bah d'un seul coup ça complique un petit peu les choses. Alors l'autre technique, par exemple, qu'on aurait pu employer, c'est de chercher en mémoire le dessin, le graphe de l'œuf. Et dans ces cas-là, de mettre un break on read dessus, puisque de toute façon, quand il affiche un 9, c'est qu'il a lu le nombre de vies. Et puis dans ce cas-là, bah, on va tirer sur la routine qui affiche l'œuf, et avant cette routine qui affiche l'œuf, on aura forcément la routine de lecture du nombre de vies. Pour savoir combien d'œufs il faut afficher. Donc c'est un autre moyen. Donc là, c'est plus du reverse engineering, j'ai envie de dire, puisqu'on cherche la routine d'affichage de la vie. Mais bon, des fois, ça marche bien. C'est une méthode qui marche bien aussi. Donc ça, là, du coup, Thomas, je sais pas si t'es encore là. Que je vois pas parce que Winep est devant ton truc. Non, il est plus là, Thomas. Bah, Thomas, quand tu regarderas le stream, si t'achètes une multiphase 2, une nouvelle multiphase 2, alors moi je vous le conseille, hein, ça marche très très bien. C'est vachement pratique. Bah, tu pourras te mettre les vies infinies sur le jeu et puis éventuellement même te changer les couleurs. Alors, ce que j'espère, c'est que ça va pas me faire planter le jeu à la fin. Parce qu'on a vu que ça le fait planter quand il revient à l'écran de départ. Et donc, il risque de planter aussi. Enfin, dans quel cas je veux. J'irai modifier vite fait, j'irai mon truc de couleur à la fin du jeu. Mais bon, bref. Est-ce qu'on peut espérer passer ici sans tomber dans l'eau? En tout cas, pas comme ça. Là, je crève. Donc, ça m'a l'air un peu... Ah, je suis pas mort. J'ai réussi à passer. Est-ce qu'on peut... Oh, putain, je me gaufre. Merde, je me gaufre. Je suis mort. Alors là, on a vu qu'il y avait une grenouille. Ah bah voilà, tiens, la fameuse sorcière. Donc c'est faisable de passer, mais rien, c'est un peu compliqué. Hein. My Gobolino. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Gobolino? Est-ce que c'est le chat? Ça doit être le chat, non? Je n'ai pas le chat sur moi. Bah si je l'ai. Ah bah attends, je suis done sur place, peut-être. Voilà, c'est ça. Donc il lui faut une feuille, bah, ça tombe bien, on l'a déjà vu. Il lui faut allumer son chaudron. Donc à mon avis, il faut prendre notre branche et puis... Ah oui, alors ça, j'ai déjà vu ça. Alors, je mets juste mon truc. Donc du feu, à mon avis, il faut prendre la branche. Et puis je sais qu'à droite, il y a un volcan où on travaille comme ça. Donc on va pouvoir peut-être allumer notre branche là-dessus. Ah, tu regardais sur Twitch, ok. If one is a bush and something poisonous. Ah bah j'avais la pomme. Alors, donc elle a dit, il lui faut du feu. Je vais le noter. Il lui faut une feuille. Leaf from the bush. Bon, j'ai marqué from the bush, je sais pas ce que ça veut dire. Et du poison. Ok.
Ouais, donc Thomas, moi je te conseille hein, d'acheter une multiface. C'est pas super cher, hein, je crois que c'est 40 balles, un truc comme ça. C'est quand même pas mal, hein, 40 balles. Moi, 40 balles, ça me fait un peu chier de sortir 40 balles des fois. Enfin, cela dit, j'ai sorti 50€ là dernièrement là, sur l'achat de jeux sur CPC. Donc, mais bon, on se refait pas. Et du coup, tu pourrais lancer ton original, tu vois, de Didi, te mettre des vies infinies, puisque normalement, t'es capable de le faire, ça, Thomas, surtout que je viens de montrer la méthode, donc tu sauras le faire toi-même. Le chien, si je te vois monter sur la table, tu t'en prends une. Ouais, ouais, il m'a très bien compris. Là, il est sur le canapé, hein, il est pas sur la table, il est sur le derrière du canapé. 40 balles, c'est cher, ouais, mais enfin bon, ça te sert après. Yomi! Petit con. Comme si je te voyais pas. Je te vois très bien. Est-ce que c'est ça, petit con, là? Hein? Je pense qu'il y a une chose, elle est sur la table. Regarde s'il y a des trucs à bouffer, toi. Voleur. Sans foirer, l'autre jour, j'avais fait une quiche. Et elle était chaude. Donc, je la laisse sur la table. Puis, je n'ai pas pensé à lui du tout. Puis, du coup, je dis à Pauline, hein, bah attends, on va fumer une clope le temps que ça refroidisse un petit peu, quoi. Parce que c'était bouillant, quoi, sorti du four, quoi. On sort, j'entends un bruit de couvert qui se... Un bout de ferraille, quoi, de couvert qui se choque, quoi. Je fais, oh putain, le chien. Je rentre dans la maison. Et le plus quiche. En 3 secondes, il s'est enfilé toute ma quiche, quoi. Il restait un petit morceau comme ça, l'enfoiré. Putain, oh là 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 là. Je n'achète plus de jeux CPC, donc ça sera un achat futur. Bah ouais, je pense que ça peut être pratique pour plein de jeux. Tu vois, quand tu veux... Arrête, quand tu veux tester un jeu genre un Didi, clairement, quand tu joues à Didi, il faut que tu testes 50 000 fois les possibilités, faut que tu... voilà, t'arrêtes pas de perdre, en fait, tu crèves tout le temps parce que bah tu tentes des trucs, tu sautes à certains endroits, et puis finalement t'as tiré dans la flotte... Donc tu recommences 50 000 fois. Bah du coup, se mettre des vies infinies pour finir le Didi une première fois et puis faire une solution, c'est vachement pratique, quoi. Et surtout, avec une multiface, tu peux faire des screenshots sur CPC. Tu peux faire la map sur CPC, par exemple, on va voir. Les screenshots, après, faut que tu les récupères. Hein. Ma mère qui me pose des questions, moi je stream, quoi. Donc ce que je voulais répondre à Eric, oui, il y a des systèmes anti-cheat dans certains jeux. Alors je saurais plus dire lequel, mais moi ça m'est déjà arrivé de tomber. Merde, putain, bah de tomber, voilà, je viens de tomber. Allez, oh, putain de joystick de merde là qui réagit à rien. De tomber Drinking Potion, ok. Un diamant. De tomber sur un jeu qui en fait testait la décrémentation. Je crois que le chien est en train de jouer peut-être un câble. C'est un jeune chien. Il a 3 ans le pauvre toutou, il est pas encore calme. Ah putain, je suis tombé dans l'eau. Qui testait la décrémentation et du coup. Alors je peux peut-être sauter sur le nuage là, non? Non. Just, je vais tomber dans la lave. Oh la vache, putain, mouillé, toi. Et du coup, bah forcément, dès que tu modifiais ça, tu te faisais niquer, quoi. Il y a aussi des jeux qui testent la multiface. Si la multiface 2 est branchée, le jeu il marche pas. Si je saute d'ici. Putain, presque. Par contre, ça paraît bien, il y a un caillou, j'ai l'impression que je passe à travers. Là. Non, il y a pas moyen, hein. Merde. Donc des fois mettre des vies infinies, bah c'est plus compliqué que prévu. Et j'ai déjà vu prévoir me dire j'en ai plus 3 secondes à mettre les vies infinies et en fait me retrouver au bout d'un quart d'heure à abandonner parce que j'en avais marre. Mais là on voit des fois c'est facile hein, là sur le Didi ça a pris 5 minutes. Hein. Bon.
Alors, on sait ce que veut la sorcière. Oh putain, une boule d'énergie, c'est putain de l'enfoiré. On sait ce que veut la sorcière. J'ai quoi sur moi là? Drink me potion and then drop. Alors, qu'est-ce que ça raconte là à côté pour une fois que ça cause pendant mes streams? Le thème de WordPress ne fait pas par défaut, mais ça doit être faisable. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi une bannière qui change random à chaque connexion sur le site? Ouais, ouais, ce serait pas mal, moi je trouve. Alors chaque connexion peut-être pas, mais ça pourrait changer genre toutes les semaines ou un truc comme ça quoi. Remarque, à chaque connexion ce serait sympa, mais par contre ce serait bien d'en avoir un paquet quoi. Ça dit, j'en ai fait deux rien que de hier après-midi. N'était pas totalement terminé parce que j'avais oublié le S de Amstrad. J'avais écrit Amstrad.eu. La honte. Bon là c'est corrigé, mais sinon non, il y aurait moyen d'en faire un paquet. Hein. Il y a plein de jeux. Hein. Si on fait une bannière par jeu CPC culte, il y a moyen d'en faire un paquet. Hein. Manière, du nombre de jeux. Ah non, faut pas tomber là. Alors on va essayer de repasser sans se faire. Ah, il y avait une grenouille. Est-ce que je peux la choper? J'ai combien d'objets? Ouais, je peux en prendre un de plus. Hop. La grenouille. Ah putain, je suis mort. M'en fous, je l'ai ma grenouille. Je suis pas sûr que ce soit le bon truc ça. Hein. Alors, la grenouille, elle se transforme peut-être en prince charmant. Bah non, il y a déjà un prince charmant. Moi perso j'aime bien recommencer plein de fois un jeu, oui mais bon moi voilà, non j'ai plus trop la motivation de finir des jeux. Merde le chien, je l'entends, j'ai l'impression qu'il fait des conneries mais je vois pas ce qu'il fait. Ouais, moi je serais plus pour mettre le. Enfin, plus, non pas forcément mais. Ce qu'il aurait fallu, c'est une option où l'utilisateur choisit, par exemple, est-ce qu'il veut un thème définitif et dans ce cas-là, le thème change pas, ou est-ce qu'il veut Dora, qui s'appelle la grenouille, ou est-ce qu'il veut un thème aléatoire, tu vois, par exemple, et dans ce cas-là, le thème change régulièrement, quoi. Gentil, je voulais prendre la feuille. Oh ah, il me casse pour les couilles. Dora the Frog. Alors, moi je voulais la feuille. Alors, c'est quoi le lien? Et oui, car un multiface permettait de déplomber les jeux plus facilement. Ah oh, bah oui, ça c'est sûr. Moi personnellement j'utilisais surtout le hacker. Ah oui, alors j'ai vu qu'il y avait des feuilles from the bush. Ça veut dire quoi bush? Ah, regardez ça, tiens. Non, c'est pas ça que je voulais. Google traduction. Hop. The bush. La brousse. Ouais, une feuille. Donc elle veut une feuille, elle veut du poison. Alors faudrait que j'aille chercher la pomme empoisonnée, tiens. La pomme empoisonnée. Mais il me semble que pour les fantômes, il faut de l'ail ou une connerie comme ça, ce qui fait qu'il nous tue pas. Donc je sais pas si en fait j'ai bien fait de le faire comme ça mon truc. Parce que j'ai peut-être loupé de l'ail quelque part. Une touffe. Une touffe, c'est quoi une touffe? Non, une feuille from... a leaf from a bush. Normalement. Alors, ce que j'aurais dû faire, et ce que je vais faire, c'est que... Ah, putain de conneries. Heureusement que j'ai mis les liens infinis. Allez, bon, je vais passer par la fenêtre. Ce que je voudrais aller voir, c'est ce qu'il y a en haut du menhir.
en me faisant tomber pour essayer. Ah, je peux pas passer par là, putain, je croyais qu'on pouvait passer par là, moi. Je vais refaire un aller-retour. Où est-ce que... Oh, on marche, je peux y aller comme ça. Oh, non, j'ai du cul, je vais tirer direct sur le truc. Ah, bah voilà, sinon je peux aller là, comme ça. Ah non, je suis tombé. Bon, bah tant pis. Ah, toujours ce putain de fantôme, là. En gros, il arrive tout le temps. Voilà, à chaque fois qu'on passe, il arrive en fait au moment où on passe. Donc c'est un peu de couille. Hein. Voilà, donc mort, mort, mort. Il est réinitialisé à chaque coup, cette espèce d'enfoiré. Hein. Donc soit j'ai loupé l'ail. Ou alors c'est le crucifix, remarque, ça se trouve, le crucifix fait fuir les... je vais poser mes merdes ici, tiens. Parce que normalement, il y a un moyen de passer ces putains de fantômes sans crever. Je me souviens très bien qu'il ne faisait rien, il ne faisait pas mal. Chercher le crucifix. Oh putain, il y a du soleil là. Il a bien gelé là cette nuit là. Moins 3 je crois chez nous. Moins 3, moins 4, un truc comme ça. Voilà, on va mettre ça. On va passer par en haut du coup, c'est plus simple. Et je vais essayer le crucifix, voir est-ce que... Est-ce que ça calme pas ces connards là? Parce qu'ils sont un peu de couilles. Et je sais qu'il y a un moyen de faire qui ne tue plus. Ça fait rien. Merde! Pourtant, il y a un moyen. Je le sais qu'il y a un moyen en plus, quoi. Bon, ce qu'on va essayer, c'est d'aller tout en haut de cette merde là. Parce que ça, c'est pareil. Je sais qu'il y a un moyen d'aller. Alors, je commence à éparpiller mes objets. Hein. C'est pas très très bien. Pas bien du tout. Vu que j'ai les vies infinies, on va essayer d'aller dans le puits. Normalement, faut se laisser tomber à droite, je crois. Pour tomber. Voilà, après à gauche, on touche pas la souris. On prend le diamant et on meurt. Je sais pas si j'ai gardé le diamant du coup. Alors, moi je suis un peu rapide là. Hop là. On va essayer d'aller tout en haut. Ouais, les objets sont pas masqués. Voilà. Il y a plein de trucs qu'ils ont pas fait. Et bah là, c'est du bizarre hein, pour les afficher. Hein. Les ennemis, en tout cas. C'est moche. Ah, ça y est, t'as avancé. Cool. Oh merde, putain, je tombe, j'ai plus qu'à recommencer. Écoute, quoi. Bah écoute, tu nous montreras ça en stream. Hein. Je vais reprendre le lighting connerie là. Lighting connerie, et il me semble qu'il me faut aussi. Qu'est-ce que j'ai sur moi là? J'ai juste ça et je vais prendre la power pile.
Parce qu'il me semble qu'en fait, faut mettre le truc. Alors, c'est des souvenirs, donc c'est pas de la triche, mais presque. Bon, j'ai déjà fini le jeu, donc. Qu'est-ce que c'était ça? Meat cake. Faut pas le donner à la chef, ça. Hé, hey, attends! Pourquoi est-ce que. Remets ça. Je pense à un truc, il y a le couteau, je peux couper la ficelle de la chèvre. Je vais chercher le couteau. Je suis un peu con, depuis le début je peux le faire ça. Parce qu'il me semble bien que ça sert à quelque chose. Genre à dégager l'espèce de troll à la con. On a accès à tous les sorts dès le début. Alors on ramasse un chemin. On donne un magicien qui est censé dans l'équipe donner un pouvoir lié à ce parchemin. Tout ça. Bon, alors moi je voulais faire ça. Oh, j'ai sauté trop tôt. Oh putain. Quelle heure. Oh, ça va, on a le temps. Voilà, et là ce que je vais essayer c'est de me laisser tomber. Le problème c'est que cette espèce d'abruti a tendance à tomber en diagonale. Donc c'est peut-être pas la solution. Je vais retourner là. Oh putain, mais il tombe où lui? Oh là là, qu'il est con! Vas-y, non! Oh, mais merde! Bon, c'est pas grave, il y a le couteau. Qu'est-ce qu'il est chiant à faire ces roulés-boulés de merde là? Connard! Pour attraire la chèvre. Ah mais ouais, remarque, attends, j'ai un flacon de lait vide là. Je peux peut-être le remplir. C'est pas con ce que tu dis. C'est... Oh putain. Et heureusement que je me suis mis les vies infinies, hein, sans déconner. C'est pas con ce que tu dis. Alors... Cake. Est-ce que on la ferait avec le seau? Par exemple, et puis on met ça dans le flacon vide, un flacon de lait vide. Ce serait pas con ça. Allez, pas besoin, on va essayer ça. C'est pareil, il y a de notre épée là qu'on a pas, qu'on peut pas prendre pour l'instant. L'autre qui dort. Ouais, c'est ça. Ouais. Un personnage carré. Ouais. Alors. Ah, si je pose la bouteille d'eau, ça marche pas. Si j'utilise, ça marche pas. On va essayer de couper le. D'accord. Alors, on va lui donner, on va l'attirer avec quelque chose. Ouais, moi je l'aurais fait éclater par terre avec le jaune et le blanc là qui coule. Ça aurait pu être rigolo comme petite animation. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça, parce que c'était peut-être trop gore. Hein. C'est tellement enfantin, les zizi. Alors, du coup, je vais aller chercher mon panier, parce qu'il me semble que le panier... voilà, le panier, il me semble que ça sert pour la biquette. Il me semble. Parce qu'il me semble que la biquette, en fait, faut pas donner les 30 diamants à l'autre connard. Faut que la biquette le charge et le fasse dégager. Et du coup, je vais peut-être trouver ma fameuse gousse d'ail pour éloigner les fantômes. Et ça. Or si c'est pas ça, bah ça doit être le. J'ai envie de toucher le connard. Hein. Donc ça doit être le truc que j'avais avec T. Faut
Théorique de saut, ça sert à rien non plus. Je prends un truc pour lui piquer le cul ou je fais un coup de pied au cul et puis paf, elle dégage quoi. Bon, je vais essayer de retourner en haut, de refaire ce que je veux faire depuis tout à l'heure et que j'arrive pas à faire. Là à gauche j'avais rien, hein. Je crois pas, hein. J'ai pas laissé d'objet par là. Hein. Je crois pas. Ah oui, tiens, en fait il y avait l'espèce de barbe aussi qu'il faut qu'on s'occupe. Hein. Mm-hmm. Donc, concrètement, si j'avais pas mis des vies infinies, là on recommencerait 50 000 fois le jeu. Hein. Alors, est-ce que je peux sauter d'ici par exemple? Non. Pourtant, il faudrait que j'attirisse plus. Merde, alors je suis bloqué là. Le problème, c'est de repasser ces putains de fantômes. Ça me fait pas des masses. À mon avis, il y a vraiment, il y avait un autre moyen de passer. Mais lequel? Ah, par contre, le soleil là, il... je vois plus rien à l'écran là. Bientôt. J'aime bien le soleil, mais là, il me gêne. Comment est-ce que je pourrais faire pour que cette putain de biquette se barre? Ça c'est quoi ça? Rhythm potion. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et je peux pas lui le donner ça, l'autre connard. Après tout, j'ai essayé ou pas, je sais pas si j'ai essayé de lui donner le sac de rugby. Putain, mais ta gueule! Il s'en fout. Bah du coup je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais aller regarder vite fait la solution pour me débloquer quand même. C'est combien de temps là qu'on se limite? Une heure et demie, ouais, donc encore une demi-heure et puis j'arrête. Parce que là, là honnêtement je vois pas trop. Pas trop envie de perdre mon temps et de chercher pendant 3 jours quoi. C'est marrant parce que moi j'étais persuadé que le panier servait à quelque chose. Regarde le fait. Solus. Oh putain, bah, c'est tout en anglais, sans déconner, merde. Il peut pas traduire ça quoi. Oh là là, c'est pas possible hein, d'être chiant pareil. Hein. La map. Ah bah c'est une map en correct. Putain, qui c'est qui l'a fait la map là? C'est pas marqué? Map by JNC alias Coma. Ok, d'accord, super. Ok, ok, je ne connais pas. Regarde les objets qu'il y a à peu près.
Alors sinon, il y a un truc que je pense, c'est notre fameux rat là qui est au fond du puits. Est-ce qu'on peut Ah bah tiens, là, il y a quelques petites infos là. Oh putain, faut donner Dora au prince pour rompre le charme. Ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, il faut... j'aime bien Rano, faut bien faire courir la chèvre. Mais en fait, pour la faire courir, il faut lui balancer... prendre le bâton, il faut un coup de bâton au cul, tout simplement. Donc, c'était pas un coup de pied. Je sais que c'est bien, mais... Putain. Alors, est-ce que... Alors ça c'est quoi? Il dit le truc là. Hit me check. Alors je vais le prendre. Je vais quand même essayer avec le rat. Dans le puits. Est-ce que je tombe par là? Ah c'est chaud ça. Hein. Yes, j'ai réussi. Ça fait gagner du temps. Alors déjà on aura elle à prendre. On va l'emmener au prince charmant. Et je vais aller chercher le bateau. Ah, vas-y, appelle. Vas-y, appelle. Cela dit, ça m'est déjà arrivé hein, d'appeler. Alors, moi, j'avais appelé la SPA ou je sais plus trop qui. Je crois que c'était la SPA. Il y a des années de ça, hein, quand j'habitais dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, et il y avait un espèce de connard qui tapait son chien à coups de ceinture, quoi. Et quand je dis qu'il tapait, il tapait vraiment, quoi. Il faisait pas semblant. Ah merde, j'ai pas essayé mon truc dans le puits. Oh, tant pis, ça sera plus tard. Donc ce gros... Bah si je suis... Oh, j'hésite. Bon, alors attends, je vais essayer le truc là. Un gros connard. Et du coup j'avais appelé la SPA, c'était bien fait pour sa gueule. Ouais. Shield you later. Ok, il se casse, il me laisse la couronne. Non. Bah il m'a rien donné. Non, bande de connards. Je l'ai mon truc, ouais. Alors. Ah, j'en ai connu des gens qui tapaient sur leur bête, hein, putain. Allez, voilà. Tac, allez, dégage, connard. C'est moi, j'ai pas d'animation pour le voir se faire bousiller. Donc, hop, c'est bon, maintenant je vais accéder à une autre partie, c'est cool. Donc, ça, je pouvais le faire depuis le début, en fait. Hein. Ouais, il y a des barrières, à mon avis, il y a des diamants. Planqué derrière, je peux pas aller. C'est marrant d'ailleurs. Alors, d'accord. Alors, lui, il a un bloc de glace. Je peux rien faire. Donc, en fait, ça m'a rien donné. Strictement rien donné. J'ai accès à une nouvelle partie, mais ça me donne rien. Je peux rien y faire. Super, génial. Bon, bah, c'est ce que je disais, hein, descendre le puits et puis d'attirer le rat pour passer par chez lui. La comptine du troll sur le pont ou sous le pont et les trois chèvres. Donc là, c'est des comptines anglaises. Ah, je n'y connais strictement rien en comptine anglaise.
Moi, le seul truc anglais que je connais, c'est la musique anglaise, parce que c'est à peu près le seul truc qu'ils savent faire. Et puis, l'histoire anglaise. Royale anglaise, puisque moi je suis un passionné d'histoire et entre autres j'étais appelé entre guillemets à m'intéresser. Alors est-ce que si je mets le panier là en ribbit entre autres, non ça marche pas. Alors, est-ce que si je fais ça, je m'éloigne. Ça marche pas. Il va me bouffer, je suis mort. Voilà, hop. Donc ça marche pas. Mon idée du rat ne marche pas. Donc là, c'est des fringues. Une croix. Putain, mais c'est pas possible. Je peux pas passer ce putain de fantôme, là. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. J'y suis bloqué. Alors. Ah, il y a une torche qu'on peut prendre. Ah, c'est en bas, je peux pas y aller en bas. D'accord. Là, je peux pas y aller pour l'instant. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ces putains de fantômes de merde hein. Dans la soluce sur le plan, il le doit avoir sa soluce. Je sais pas s'il y a tout, mais j'ai pas l'impression qu'il parle de ça. Et pourtant, moi, ça dans mon souvenir, les fantômes on pouvait ne pas crever à cause d'eux. Alors, est-ce qu'il dit pas tout peut-être dans le. The Power Pill mangeait les fantômes. Putain, c'est une référence à Pac-Man. Oh le con, référence à Pac-Man, bien évidemment. Bon, j'ai pas un Kinect là, ça m'énerve là, j'ai une petite coupe. Oh là 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 là. Je me demande du coup le soleil. Putain. Mais c'est évident. Quel homme à femme, ouais, elles en ont perdu la tête, hein. Putain, mais alors vraiment trop con, moi. Donc Power Pill. Alors j'ai quoi là sur moi? Big Stick qui peut rester là. Oh quel nul. Tellement évident. Donc voilà, hein, plutôt que de mettre les vies infinies pour passer les fantômes. Effectivement, il nous tue à chaque coup. Du coup, le Power Pill, ça va les buter. Puis je serai tranquille, je pourrais passer sans problème. Ça dit, c'est sans problème, c'est vite dit, puisque les plateformes qui se cassent la gueule sont un peu pénibles. Bon, on va pouvoir avancer du coup. Ah, on va les tuer les fantômes. Alors, je suppose qu'il faut que je les touche avec.
Ah, et les trucs dans les Didi, c'est pas toujours évident. Par exemple, passer ce putain de requin de merde. On est requin d'eau douce. Allez. On va réussir à avancer un petit peu. Parce que là, vous voyez, on n'avance plus à grand chose. Surtout que je vais arrêter dans, dans 10 minutes environ. Hein. Bon, quoique, on peut encore jouer une demi-heure après. Bon, personnellement, je suis pas pressé. Donc... Ah, je vais essayer de passer comme ça. Voilà, vas-y, touche-moi. Voilà, hop, un de moins. Bon, par contre, ça change pas le problème que je me casse la gueule parce que cet œuf de merde roule tout le temps. Voilà. Et ben voilà. Allez, nickel. Maintenant, on a plus à se faire chier avec eux. On peut passer tranquillement. Putain, power pill. Tellement évident, hein. Tellement évident. Alors, par contre... Du coup, j'ai laissé la branche de l'autre côté comme un con. J'ai plus qu'à aller la rechercher. À mon avis, il me faut la branche pour foutre le feu. Ah bah non, elle est là. Tiens. Voilà, normalement, on a à peu près tout ce qu'elle veut, elle. Ma sorcière. Mais t'attends plutôt. Tu iras dehors après. Y'a rien d'urgent quand même. Surtout pour aller gueuler là encore. Là, on entend que toi dans le quartier comme dame. Ah, me demander, tu iras pas dehors tout de suite. Tu iras dehors quand... Ah merde, quand j'irai fumer ma clope. Merde. Alors, la sorcière. On va lui donner ce truc empoisonné. On va lui donner la feuille. Et donc, même faut du feu. Donc là, il y a de la lave là-bas. Là, je sais pas ce que c'est que ces merdes aussi. Est-ce qu'on peut... Un marche-pas. C'est du feu pourtant. Hein. Ou alors je prends un flacon ou le seau pour prendre de la lave. Pas moyen, mais... Ah ! Gameplay de daube. Putain. Ah, franchement, moyen de l'améliorer le gameplay dans le jeu. On y va. Déjà, le faire arrêter de rouler, ce connard. Hein. Effectivement, il faudra le mettre carré. On va faire un plagiat de Didi. Bon, remarque, il y a eu Seymour. Hein. Seymour a été plus ou moins un plagiat de Didi, même si indirectement, c'en est pas un, vu que c'était censé être un Didi à la base. Ou alors je mets le feu aux fringues. Ouais, on va prendre tous les trucs. Pour se faire chier. On va tout essayer. On va prendre. Ouais, j'aurais dû prendre. On va prendre ça. Le seau. On va prendre le flacon, la bouteille de lait. Et puis, non, bah, pourquoi je passe par là, mais... Et puis, on va prendre les fringues pour y foutre le feu et éventuellement, comme juge. Tu fais carré et rouge et tu l'appelles Super Meat Boy. D'accord, mais j'ai pas compris la référence. Je suis désolé, mais je dois pas connaître Super Meat Boy. Et pourquoi tu t'y connais au fait en compte anglais ta famille anglaise, t'as un passionné de compte anglais bon, je suis indiscret en fait. Hein, mais... Ou t'as vécu en Angleterre peut-être. Ah c'est un jeu, d'accord. Je ne connais pas. En même temps, je connais que les jeux CPC pour ainsi dire, hein, qui est un petit peu. Alors, on va essayer avec. Ça marche pas. On va essayer avec. Ça marche pas. On va essayer. Ah.
You fill the bucket with hot geyser water. Ah bah non. Je croyais que c'était de la lave, moi. Ah bah par contre, c'est de l'eau chaude. Je peux peut-être décongeler l'eau abrutie. D'accord, hein, si tu le dis. Alors Skyrim, Pauline, elle joue à ça sur sa PS3. Ah mais merde. Ah d'accord, ok. D'accord. Skyrim. Je vois, ouais, des fois plus une, je vois ce truc-là. Moi j'y comprends. Moi j'y comprends, j'y connais rien. Je suis pas... Les jeux 3D, c'est vraiment pas ce qui m'attire, quoi, à part les simulations de bagnoles, ce genre de truc. Sinon, ça m'attire pas particulièrement. Si j'ai fini le premier Uncharted, je crois. J'avais commencé le deuxième, et puis j'ai pas plus avancé que ça. Je préfère les jeux 2D. Alors, pour moi, le meilleur jeu de la PSX, par exemple, c'était Castlevania Symphony of Night, quoi. Plein de jeux 3D, mais moi c'était pas la 3D qui me plaisait, c'était les jeux 2D quoi. 3D ça m'a toujours fait dégueuler ce truc là. En plus, ça a rien inventé au niveau jeu. En gros, tu prends les vieux jeux qui étaient en 2D, tu les mets en 3D quoi, mais ils ont rien inventé depuis quoi. J'ai l'impression que depuis Doom, il n'y a eu rien de nouveau. Ça pique les yeux, qu'est-ce que tu veux dire par ça pique les yeux? Alors, est-ce que ça a marché ça? Ça marche. Il m'a donné quoi? Personnel stéréo. Oh, personnel stéréo. On va quand même aller voir par là. Ça marcherait peut-être avec l'autre qui dehors, tiens. L'autre connasse là. Ah, c'est la croix qu'il me faut pour qu'elle arrête de venir me faire chier. Parce que sinon elle me suit et je peux pas passer. Putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse l'affichage là qui clignote, mon dieu quoi. Ah bon. Bah en même temps je crois que c'est pas que sur PC, hein. Alors, je crois qu'on peut passer quelque part par là. Je crois qu'un casque de réalité virtuelle, tout simplement, ça coûte cher. Hein. C'est pourtant pas une, ouais, c'est pourtant pas une technologie récente. Hein. Casque de réalité virtuelle, dans les années 90, même dans MicroKit, ils en parlaient. Ça existait déjà. Hein. Bon, là je peux pas passer. Et ça fait quelque chose quand j'ai sauté. Ah oui, parce que j'ai le. Il y a des notes de musique, c'est rigolo. Ah, je peux pas aller là, je peux aller à gauche. Je peux peut-être passer par la fenêtre là, est-ce que ça me donne quelque chose? Je sais pas. Non, plus maintenant quoi? Pourquoi tu causes? Ah mais merde putain, qu'est-ce que c'est lourd ça. Mais saute. Alors là je peux pas, enfin je saute de l'autre. Oh là là, qu'est-ce qu'il est con putain. Oh là 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 là. Mais quel blaireau sur ce site con. Je voudrais sauter sur la dalle où il y a des trucs de coller dessus. Parce que c'est compliqué de sauter au bon endroit, espèce de tête de con.
Putain, mais c'est dingue. J'étais presque, ça bougeait. Sans déconner, quoi. Il veut pas me... Il me fait chier, hein. Il me fait grave chier, lui. Non. Bon, est-ce que par exemple là je peux me démerder pour sauter autrement? Voilà, la tireur sur... Putain, je peux pas tirer sur l'autre. Je vais aller en haut, putain! Laisse-moi Mais nom de Dieu, mais quelle daube! Bon, là à gauche, je peux y aller ou quoi là? Ouais, je peux y aller. Ah bah, j'arrive sur l'autre tour. Oh! Ah! Mort! Ah! Mort! Les directions sont inversées. Ouais, bah, je vais pas aller par là pour l'instant. Hein. Ah, je suis mort. C'est quoi ce délire? Ah, maintenant il saute dans le bon sens. Mais je meurs là! Et j'ai rien demandé moi! Putain, faut que j'y retourne là. J'ai de la chance, le motion sickness, je l'ai presque pas. C'est quoi ça, le motion sickness? Pour un, mais je peux vous raconter. Alors, est-ce que je peux, par exemple, sauter à gauche, sauter là, et ça me fait attirer sur l'autre. Mes couilles. Je vais faire une sauvegarde, tiens. Je vais faire une sauvegarde. Est-ce que je peux me laisser tomber? J'ai tiré où? Ah, sur des pics. Mauvaise idée. Alors surtout ne pas lâcher un objet à cet endroit-là. Hein. Et il n'y a pas moyen de sauter en face. Hein. Ah bah si. Depuis le début, je peux. Oh là là! C'est une grande méchance, hein. Ok, j'ai vu le boss. Bon, un petit peu avancé. Est-ce que par hasard je peux aller à la fenêtre? Non, je crève. C'est sûr ou... Ouais, je crève. Ok. Ah ouais? D'accord, ok. Je connaissais pas. J'aimerais bien essayer, moi, ce genre de truc. J'ai jamais essayé les cases de réalité virtuelle. Ça me tend très bien. Ça me tend très bien. Alors... Eh bah tiens, hop, pote, on y collait le casse tiré sur la gueule. Ça marche pas. Ah bah attends, il y a l'autre connard de barde. Sinon, on peut peut-être lui mettre ça sur la tronche. Comment on y va déjà? Vu que monsieur là, joue sa musique là, de merde. Bah, on va lui coller un casse sur la gueule. Ouais, bah ok, ouais, Thomas, ouais, volontiers. Bah de toute façon, ah ouais, maintenant le prochain coup que je vais aller sur mes filons, c'est pour voir mes grands-parents. Parce que du coup, avec ces conneries d'accident de bagnole de Pauline et tout, bah, je suis pas allé souhaiter la bonne année à mes grands-parents. Il faudrait quand même que j'y aille, mais du coup, je vais pas me pointer chez toi avec Pauline et puis la petite, quoi.
fait un peu de monde. Mais ouais, de toute façon, il faudrait que je pose souvent un de ces quatre. Ne serait-ce que pour t'amener des cassettes que j'arrive pas à faire fonctionner. Voir si chez toi ça marche. Alors, je crois que c'était comme ça. Ah bah oui, mais putain, j'aurais pas dû. Ah si, c'est. Alors, hop. Parce que tout à l'heure, il me semblait que je m'étais cassé la gueule, mais en fait. Bah pour pas te déranger quoi, après moi je m'en fous. Hein. Après on peut passer. C'est vrai. Ouais bah c'est vrai, à la limite comme ça tu feras connaissance de Pauline. Pourquoi pas. Ah bah voilà tiens. Rock'n'roll. Bah écoute je te dirais. Alors qu'est-ce qu'il m'a donné. Magic Pipes. Ah ouais. De toute façon après c'est vrai que c'est un peu con parce que je passe juste à côté de toi quoi. Du coup quand je suis à la maison je suis vraiment juste à côté. Qu'est-ce que je pourrais faire de ça Magic Pipes. À quoi ça pourrait me servir hein. Bon je sais pas. En tout cas le désaccord entre oreille interne et vision, c'est aussi un symptôme d'empoisonnement et donc le cerveau aurait conservé ce réflexe. Depuis la préhistoire. Ah oui. D'accord. J'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est intéressant. Si t'as une. Si t'as une référence d'un article ou un truc, hein, que je suis pas contre. J'en parlerai sur mes forums de paléontologie, d'évolution et de machin. Je vais aller chercher le crucifix. Parce que je crois que ça permet... Ah putain, je me jette dans l'eau. Ah, je refais la connerie. Heureusement que j'ai bien fini, moi. Ah bah moi je fais plus que d'adorer la paléontologie tu sais. Même si depuis un moment j'ai plus pas eu trop de temps depuis que la petite est née parce que bah mine de rien bah tu t'occupes de la petite tu peux pas trop t'absenter mais maintenant qu'elle est un peu plus grande je vais pouvoir m'y remettre j'espère parce que franchement ça me manque un petit peu moi d'aller casser du caillou. Alors, la croix, ça devrait m'éloigner la vampire, là. Ah bah moi, les deux, hein. Je peux aussi bien aller visiter des châteaux, me documenter et autres, qu'aller chercher des cailloux. Mais bon, je préfère quand même vachement aller chercher des cailloux, quoi. C'est pas pareil, quoi. Le plaisir d'avoir le cul dans la terre, de creuser, de trouver merde, des organismes vieux, hein, parce que moi je fouille essentiellement dans le primaire. Hein. Quand je trouve des fossiles, c'est souvent les 450 millions d'années, quoi, ce genre de truc. Hein. Moi je vais essentiellement chercher ce qu'on appelle des trilobites. Ah, je regarderai ton article, Eric, après. Les princesses avec une grande robe du possible. Pour voir ce qu'il y a en dessous, bah un truc qui pue, parce que à l'époque, même s'ils étaient moins sales que ce qu'on disait, ça devait pas être quand même terrible, hein. Alors, j'ai la croix. Et du coup, vu que j'ai la croix, si je la pose... Ah non, merde, putain. Ah, elle me tue, merde. Oh, et puis j'ai posé la croix, comment je vais pouvoir la récupérer. Oh, je la récupère, putain, non, non. J'ai plus qu'à recharger ma save state. Ah, heureusement que je l'ai fait pas trop loin.
Alors, faut surtout pas poser la croix, faut la garder sur soi, hein, du coup, hein. Ah, quel gland, ouais. Allez, on va aller la chercher. Ah bah, ouais, mais ça, il y avait des croyances, alors non seulement le maquillage au plomb, effectivement, même si je suis pas forcément persuadé que c'était le pire de ce qu'il faisait, il y avait surtout les bains de mercure, par exemple, pour soigner la syphilis, qui était quand même relativement courante, hein, le mercure qui est l'un des trucs les plus cancérigènes qui puisse exister. Bah, cancérogène, pas cancérigène, ça c'est un terme qui m'énerve, ça. Ça, on va le laisser là. Vous me pétez mes fantasmes. Du coup, c'est quoi que j'ai sur moi? Personnage stéréo, ah ouais, bah donc du coup, faut que je retourne voir le barde. Et je vais aller chercher ma croix d'abord. Les bains de mercure, c'était quand même quelque chose. Hein. Alors pour la syphilis, c'est pour d'autres choses. Alors tu m'étonnes, ça devait la soigner, la syphilis. Même toi, tu ne survivais pas. Donc voilà, je suis juste du truc. Faut voir le nombre de MST qu'il y avait à l'époque. Hein. C'était assez impressionnant. Hein. Et après, encore pire. Hein, au niveau période révolution française, il me semble que c'était 10 fois pire. Hein. Bah la petite vérole entre autres, hein, des mecs comme Robespierre avaient la petite vérole, d'où la peau complètement détruite. Ça devait y aller, hein. En même temps tout le monde baisait avec tout le monde. Donc, hein. Là, quand on te parle de la médecine traditionnelle, hein, la médecine traditionnelle, alors faut faire la part des choses. Il y a une part de notre médecine à nous est quand même... vient quand même de cette médecine traditionnelle de base, hein, soin par les plantes. Hein. Tout n'était pas faux, tout n'était pas bidon, tout n'était pas merdeux. Mais bon, après il y avait des trucs tu risques plus de crever qu'autre chose, quoi. Tiens, on va sauter par là, voir si on a tiré le petit bouton, si on a tiré rien. Oh, tiens. Après le truc, donc ça va, c'est... Non, après, notre époque a inventé des médecines complètement débiles, hein, comme l'homéopathie, par exemple. Mais sinon, la phytothérapie marche très très bien, hein, en général. Hein, ça reste basé sur de la médecine, la phytothérapie. Mais alors, après, il y a des conneries, hein, il y a la lithothérapie, alors ça, mon dieu, quoi. Putain, mais faut vraiment être un abruti pour croire que tu peux te soigner avec des pierres. Alors là, il y a la torche qu'on va pouvoir prendre. Ça, je m'en rappelle, mais j'ai peut-être pas la prendre tout de suite parce que j'ai peut-être pas. Ah putain, j'aurais pas dû garder les putains de trucs de merde là. Ça va me faire chier plus qu'autre chose. Donc là, je peux pas passer. Normalement, il y a un passage pourtant là. Je le sais qu'il y a un passage et il y a la gonzesse qui est derrière qui est hyper zoomée. Je m'en rappelle bien. Ah bah voilà, ça ouvre. Voilà, donc là j'ai la torche, ça ouvre le passage. Ok. Ah non, mais ouais, ça c'était le grand classique. Hein, le mercure, de toute façon, soignait énormément de trucs. Alors, il est enfermé dans un espèce de bassine couverte avec la tête qui dépassait. Hein, il y a des représentations de ce genre de choses. Et oh bah, chez les talibans, en même temps, c'est loin d'être une référence d'intelligence. Alors, Didi Maïero. Bah, je sais pas si je joue de la musique. Non, ça marche pas. Pour l'instant, on va la laisser là, elle. Tiens, on va faire un de ces fichettes, donc j'y suis. Hop, parce que j'ai refait des trucs depuis tout à l'heure.
Ouais, cinquième safe state. Il est quelle heure là? Allez, encore un quart d'heure et puis j'arrête. Hop là. Et puis bah du coup la croix je vais la laisser là. Parce que j'en ai pas besoin. Je la prendrai quand je reviendrai là. Pour m'occuper de la gonzesse. Et du coup j'ai récupéré la torche. Donc j'ai du feu. Je vais pouvoir aller voir la sorcière. Ah la lithothérapie, alors t'imagines même pas quand j'étais commerçant, parce que j'ai été commerçant ambulant où je vendais des fossiles, des minéraux, même si c'était pas mon truc. Bon, pour moi la minéralogie c'est pas une science, hein. la science qu'on pourrait appeler la minéralogie c'est de la physique et de la chimie, quoi, et de la cristallographie entre autres. Mais la minéralogie n'est pas une science pour moi. Donc je vendais des fossiles, je vendais des minéraux. Alors bien entendu pour réussir à vivre de ça, je vendais un petit peu de bijoux en pierre. Je faisais que de la pierre, des petites statuettes en pierre, ce genre de conneries. Et puis rarement aussi arrivé des livres de science qui parlaient d'évolution, qui parlaient un peu tout ça. Et je te raconte pas le nombre d'abrutis qui venaient me casser les couilles avec leur lithothérapie parce que je vendais des minéraux. Alors, est-ce que vous avez un minéral parce que je me sens pas bien, machin. Alors, je t'envoyais boubli tout ça. Oh, je subissais cette bande d'abrutis et quand j'allais faire le marché à Sainte-Mère-Église, je subissais des abrutis créationnistes. Parce qu'à Sainte-Mère-Église, une commune bien connue pour son soldat parachutiste américain qui est resté accroché au clocher lors du débarquement. Dans ce marché-là, à Sainte-Mère-Église, y a des abrutis de créationnistes qui vendent des bibles sur le marché devant l'église, quoi. Alors, on va essayer de la mettre là. Ça marche pas. On va le donner à la sorcière. Yes, c'est bon. Elle me donne une potion. Donc, elle m'a dit pour sauver mon ami, là, je crois. Donc, on va prendre voir la yes. Alors, les créationnistes, c'est le pire, hein, cette bande d'abrutis qui croient qu'on a vécu à d'autres dinosaures à une époque. Enfin voilà, c'est vraiment le summum des abrutis, quoi. Bah, d'ailleurs, les islamistes radicaux font partie des créationnistes, hein, c'est une bande d'abrutis. Enfin, c'est même pire parce que de toute façon, il n'y a rien qui existait avant leur. Avant Mahomet, donc. Bref, voilà, de croire des conneries pareilles, franchement, faut vraiment être débile. Enfin, faut pas avoir eu d'éducation, quoi. Espèce de taliban, ouais, c'est devenu une insulte, mais en même temps, il y a de quoi, hein. Ah, vous avez des épices de speech, je connais quelqu'un qui peut me décharger d'énergie, ouais. Ouais, voilà, typiquement, ouais, le genre de propos, mais d'une débilité, mais sans déconner, quoi. Alors, ceux qui nous font, faut mettre une améthyste à côté de son lit quand tu dors le soir. Non, mais comment, mais. Alors, le pire, c'est que je connais des gens qui travaillent dans le milieu médical et qui croient ce genre de conneries. Et je crois que là, c'est le pire, c'est le summum. Bah, comme l'homéopathie, quoi. Un pharmacien qui te conseille de l'homéopathie, c'est juste un charlatan. C'est juste un charlatan. Parce que ces mecs-là ont fait un minimum d'études. Pas assez, a priori. Et osent croire à des conneries comme l'homéopathie. Voire même en pharmacie. Moi, j'ai travaillé dans des pharmacies à l'époque où j'étais préparateur en pharmacie. Parce que ça a été un de mes boulots. Dans l'ordre, j'ai été biochimiste, microbiologiste, j'ai été préparateur en pharmacie, j'ai été commerçant non sédentaire, sophro-relaxologue. Qu'est-ce que j'étais d'autre? Assistant d'éducation. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs, mais. Du coup, j'ai fait de la biochimie. J'ai fait de la biochimie et parmi les trucs de biochimie, j'ai eu l'occasion d'analyser l'homéopathie.
Donc des granules, hein, on a pris, alors, je sais plus c'était combien, mais c'était 50 tubes de granules de double, hein, et de regarder ce que ça contenait. Bah, à part du sucre et de l'eau, bah, bien entendu, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait strictement rien. Strictement rien. Et des pharmaciens qui osent, hein, osent vendre l'homéopathie, ce sont des charlatans. Il n'y a pas d'autre mot, ce sont des charlatans. Ils savent très bien, ils ont fait des études, ils savent très bien que ça contient rien et que ça n'est qu'un effet placebo. Mais ils te le vendent quand même. Et j'ai vu des pharmacies, donc je vous disais, c'est ça, là que je voulais en venir, j'ai vu des pharmacies. Alors est-ce que ça marche la potion qu'elle m'a donnée par exemple? Ah non, ça marche pas. Merde. Alors, j'aurais peut-être dû essayer sur le mec qui dort. J'ai vu des pharmacies où je travaillais à l'époque où j'étais préparateur en pharmacie, c'est pour ça que j'étais en train de raconter ce que j'avais fait comme boulot. J'ai vu des pharmacies où j'ai travaillé, où j'ai gueulé parce qu'ils vendaient par exemple des colliers d'ambre. Alors faut savoir que les colliers d'ambre, il y a plein de gamins qui tous les ans meurent parce qu'ils ont avalé leur saloperie de collier d'ambre. Hein, ils s'étranglent avec ou lui il l'avale et ils en crèvent quoi. Et que des pharmaciens vendent ce truc, donc des pharmaciens font de la lithothérapie et font de l'homéopathie, mais on nage dans le charlatanisme pur et dur. Ça devrait juste être interdit. Alors moi si, tiens la potion sur lui. Ça marche pas. Alors sur l'autre qui est dans les buissons peut-être. Moi je trouve ça honteux personnellement. On devrait les interdire. On devrait leur retirer leur diplôme de pharmacien, ces gens-là. Pas que pharmacien, hein, y a des infirmières hein, qui croient ce genre de conneries. Hein. Faut croire qu'elles ont jamais. Elles ont jamais fait de chimie. En même temps, voilà, les études d'infirmières, c'est un peu dommage qu'ils fassent pas de chimie et de biochimie. Hein. Et c'est surtout dommage que le milieu médical soit pourri par des lobbies pharmaceutiques et ce genre de conneries. Hein, moi j'ai vu quand j'ai fait mes études de préparateur en pharmacie, on nous parlait de l'homéopathie. Hein, alors moi j'ai piqué une gueulante ce jour-là. C'est une pharmacienne hein, qui nous faisait les cours. Elle s'est fait engueuler comme du poisson pourri, je l'ai traité de sous-merde. Je lui ai bien expliqué que moi j'étais biochimiste avant de devenir préparateur en pharmacie et que contrairement à elle, a priori, je comprenais comment fonctionnaient les choses, hein, la transformation du principe actif par le foie, etc. Comment qu'on appelle ça? Ah, je me rappelle plus du terme. Bon bref, on s'en fout, de toute façon on fait un stream CPC pour un stream de médecine. Mais bref, enfin tout ça pour expliquer que c'était vraiment... Bon bah lui, alors, il est parti mais par contre ça m'a rien donné. Oh j'aurais dû laisser la croix là-bas. Et ouais, alors les gens, pareil, en pharmacie qui venaient, ah bah oui je voudrais de l'homéopathie pour mon cheval, pour mon chien, machin. Moi je leur disais bah non, déjà moi je vous vendrai pas ça, donc vous voyez ça avec la pharmacienne ou avec une autre préparatrice si elles veulent vous en vendre, mais moi je vous conseillerais jamais ce genre de truc de merde. Alors il y en avait qui aimaient pas ce discours, hein. J'en avais un peu rien à foutre, hein. Mais, de toute façon j'avais rien à y gagner, hein. C'est pas parce que je vendais plus que mon salaire allait augmenter, au contraire, hein. Les pharmaciens comme des gros radins qui se font 6000 euros par mois, voire même plus, hein. Ils payent surtout pas leurs préparateurs, hein. Ils payent au SMIC un préparateur en pharmacie, hein, au début, hein, et puis même après. Hein. C'est des gros enculés quand même, la plupart. Hein. Je dis bien la plupart, hein, parce qu'il y a des pharmaciens qui sont très très bien, hein, mais ils se comptent sur les doigts d'une main, hein, franchement. Ils exploitent complètement les préparateurs qui font tout le boulot à leur place, puisque les pharmaciens, c'est pareil, hein, la plupart n'en branlent pas une, ils restent chez eux, enfermés dans leur... Dans leur appartement qui est au-dessus de la pharmacie, la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que tu dis? À la base, taliban, ça veut dire étudiant. Ah bah tiens, tu vois, je savais pas. Bah, ouais, mais ils ont pas dû étudier longtemps, hein.
ils y croient et surtout il y a 10 clients. Donc bon, au pire ils s'en foutent s'ils en vendent pas. Par conviction, les clients vont ailleurs. Tout à fait. Et oui, donc, ah oui, j'avais pas fini parce que moi je pars tout le temps à parler de conneries. Mais du coup, j'avance pas dans mon jeu. Hein. Je crois que j'arrive à réveiller l'autre là qui dort. C'est mon truc. Il y a des gens qui venaient chercher l'homéopathie pour leurs animaux et qui me disaient mais si ça marche, mon cheval je lui en ai déjà donné et il a guéri. Bah ouais, sauf que le problème c'est que déjà chez les animaux l'effet placebo est loin d'être trouvé et que bah ton cheval il a pas conscience que tu lui donnes un médoc, hein. Tu lui donnerais n'importe quoi, ce serait pareil. Et c'est surtout que, bah, en fait, quand tu fais une batterie de test, comme c'était le cas quand on faisait ce genre d'analyse, c'est que on donnait de l'homéopathie à 100 personnes, et puis t'en donnes pas à 100 autres personnes, et tu regardes la différence. Bah, en fait, si tu leur dis que c'est un placebo, bah, du coup, il y a vraiment zéro effet. Si tu leur dis pas que c'est un placebo, chez certaines personnes, putain, je suis tombé. Chez certaines personnes, ça va fonctionner parce que. Bon, on va tenter. Ah, bah si, ça marche. Oh putain, Ah non, ça marche pas. Voilà, je crois que ça allait attirer le rat, mais en fait, non. Donc en fait oui, l'effet placebo ça marche chez des humains essentiellement, jamais chez les animaux quasiment, et en fait leur cheval bah il aurait guéri tout seul, hein. Il aurait pas donné d'homéopathie, ça aurait fait exactement la même chose, hein. Leur truc il aurait guéri tout seul tout simplement. Mais bon, bah, si les gens veulent croire à des conneries, en même temps, il y en a qui croient qu'il y a un mec qui vit dans le ciel, qui a une grande barbe et. et qui les écoute. Pourquoi pas, hein? À chacun de croire ce qu'il veut, quoi. Le problème, c'est que. Le problème, c'est de voilà, vouloir le faire croire aux autres. C'est ça qui est. Un peu n'importe quoi, et de forcer les autres à croire à ces conneries. Mais bon, concrètement, l'homéopathie, l'interdire, non. Parce que, effectivement, certaines personnes ont tendance à être. Comment on appelle ça, des malades imaginaires, des. Oh, mais merde, putain, je cherche tout le temps mes mots, moi, hein, c'est pénible. Hein. Comment qu'on appelle ça? Je vais pas retrouver. Bon, bref, ces gens-là, leur donner un placebo, leur donner un truc vide, finalement, ça peut pas leur faire de mal. Et puis, finalement, pendant ce temps-là, ils seront plus. Ils seront contents, ils auront leur truc pour, entre guillemets, les soigner. Ils auront l'impression qu'on les soigne. Donc, interdire l'homéopathie, non, je vois pas trop l'intérêt, puisque ça peut servir dans certains cas extrêmes. Par contre, là, des remboursés, oui, ça, c'est indispensable. Et surtout, supprimer les homéopathes qui sont des charlatans. Ce ne sont que des charlatans. Hein, ces gens-là sont au même titre qu'un guérisseur un guérisseur, un voyant, hein, tout ce que vous voulez. Hein, tous les charlatans qui peuvent... Pourquoi qu'elle me demande si ça va? Pourquoi je lui demande si elle ça va? Voilà, tous ces gens-là, faut arrêter de les considérer comme des professionnels de la médecine. C'est faux. Oui, hypochondriaque, Thomas, merci, c'est ça. Les hypochondriaques. Faut arrêter de les considérer comme des professionnels de la médecine. Il faut arrêter de rembourser des conneries, quoi. Putain. Ils ont le droit d'exister, les homéopathes, on va pas les interdire, hein. Il y a bien des voyants, des. À chacun de croire ce qu'il veut, après tout, si ça peut faire du bien à quelqu'un de croire que voilà, on va les guérir en les touchant, pourquoi pas. Moi je me fous, ça a jamais tué personne en général, et puis si ça les aide à se sentir mieux, voilà. Mais qu'on arrête de rembourser des conneries, quoi. Quand je vois qu'il y a des. Que les vitamines, par exemple, ne sont plus remboursées. Alors que l'efficacité d'une vitamine C est prouvée, l'efficacité de, on a eu aussi les qui ont été interdits
en pharmacie, tout ce qui est vénotonique et tout comme ça, je marchais très bien. Voilà, y a rien qui démontre que ça ne fonctionne pas ou que ça a pas d'effet. Au contraire, y a de l'effet. Bon, les a dit remboursés. Par contre, l'homéopathie, bah non. Alors que toutes les études prouvent que ça n'a aucune efficacité. En tant que médicament, le seul effet, c'est un effet placebo qu'on aurait aussi bien en fournissant, en donnant un bout de sucre sculpté en forme de je sais pas quoi et en disant à la personne, bah voilà, c'est un médicament. De toute façon, l'homéopathie, c'est ça, hein, c'est un morceau de sucre, les granules, c'est une boule de sucre avec de l'eau, c'est tout. Hein. Bon, c'est un sujet tabou en pharmacie. Sur ce, on va arrêter de parler de ces conneries. Ah, parce qu'on s'égare quand même. Je vais faire la dernière save state. J'irai vite fait regarder. Non, c'est pour ça que je vais. J'irai vite fait regarder pour avancer un petit peu dans le jeu. Et puis, bah, le prochain stream. Alors, attendez, je verrai déjà les jours qui ont été faits. On est le combien là? On est le 18. Voilà, tout ça, hop, c'est fait. Donc le prochain stream, ce sera mardi vers les mêmes heures, vers 11h, 11h30. Voilà, et on continuera ce Didi-là. Ok, pour l'instant, pas mal, hein. Il est plutôt intéressant, pas spécialement difficile quand on n'est pas trop con et qu'on sait parler anglais, qu'on a compris que pouvoir pas pile, c'était une référence à Pac-Man et que trop bouffé, on pouvait bouffer les fantômes, ce qui m'aurait bien dépanné dès le début, quoi. Mais voilà, bah, sinon il est plutôt pas mal, hein. Alors l'autre, Prince of the Yulefolk, était franchement nul à chier. Il rame de partout. Il est super court. Franchement, on croirait c'est Mortequon, quoi. C'est pareil, quoi. C'est super court quand on le finit en 3 secondes. Mais celui-là est pas mal. Il est assez intéressant, un peu comme le Spellbound. Hein. Bon, le Spellbound, moi, c'est mon préféré parce que j'aime bien son univers. L'univers d'Alice Souter, machin. Le Spellbound a le petit côté chiant d'aller chercher des cailloux tout le temps, quoi. Ça, c'est un peu pète couille, mais sinon il est plutôt pas mal faisable, ouais, finissable sans solution, je pense, en cherchant vraiment un peu. Alors moi, je me suis dépanné sur 2-3 trucs et puis j'ai triché sur le coup des c'était quoi, c'était des pièces, hein, celui-là, je sais plus ce que c'était, des cerises, je sais plus trop quoi. Non, c'était des pièces, hein, je crois, hein. Ou des diamants, je sais plus, enfin bref. Parce que bon, il m'en manquait deux et je sais pas où est-ce qu'ils étaient. Alors, est-ce qu'ils sont présents ou est-ce qu'ils sont manquants, j'en sais rien, enfin bon, bref. Mais le Spellbound était plutôt cool pour l'instant, avec le... Alors le Crystal Kingdom DJ était pas mal aussi, on l'a fini assez facilement. Donc voilà, pour l'instant, Crystal Kingdom DD, donc le DD 7 est bien, le DD 6 Spellbound est bien, le 5 est pas terrible. Et celui-là qui est le 4 est plutôt pas mal. Sur ce, je vous laisse. Et on stream en tout cas, on se revoit mardi prochain. Vers 11h. Je suis même pas sûr. Je me demande si je pourrais pas faire un stream le soir en fait, mardi prochain. Ce sera peut-être le soir. On verra. Sur ce, bon bah, je vous dis à tout de suite sur le chat, et puis voilà. Allez, ciao!